Bonjour et bienvenue ici à Montesquieu, Lot-et-Garonne, terre de chasse, de pêche, de tradition, une terre de caractère pour cet Oscar Midi Olympique décerné ce mois-ci à Jean Moribond, le troisième ligne talentueux du SU Agen. La mèche du SU Agen, eh bien nous allons aller sur ses traces de Lalinde jusqu'à Agen, jusqu'à Macao. Voilà. Et donc on va aller à la rencontre effectivement de ceux qui ont fait ce joueur, ceux qui l'ont rencontré durant sa jeune carrière. Et savoir puis, ce qu'il aime, ce qu'il aime pas. Ou ce qu'il aime, ou ce qu'il aime pas, effectivement. Voilà, bon voyage à tous, hein. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Romain, bonne chance surtout. Belle journée qui t'attend, hein. C'est prêt. Bien, t'es un vainqueur. Allez, on y va. Bien, bonjour, nous nous retrouvons au stade de l'US Lalinde, à Lalinde, Lalinde dans le Périgord, en Dordogne. C'est ça, Lalinde, avec un petit chapelet des éducateurs qui ont traversé la carrière de Jean. Et on va leur demander tout simplement les souvenirs qu'ils ont de Jean depuis Poussin jusqu'en cadet ici à Lalinde. Oui, alors les souvenirs, il y en a pas mal de souvenirs avec Jean. Et il y en a un qui, auquel je pense, c'était sur des tournois privés où il y avait beaucoup d'équipes, bien évidemment. Et nous, on avait la chance d'avoir un gamin comme ça qui, en poussin, déjà, s'occupait de l'échauffement même de ses copains. Entre les matchs, il est gardé autour de lui pour justement que ça ne se disperse pas. Et puis voilà, et puis beaucoup d'autres souvenirs. Déjà responsable. Déjà très, très responsable et très passionné. Jean avait les prises de responsabilité, comme le disait Alain. Et surtout déjà, c'était un compétiteur et vraiment un garçon qui s'impliquait vraiment à fond dans le groupe. Et avait des gros... Attends, dis donc, tu vas... Ça suffit maintenant, hein. C'est quoi, c'est de la... C'est de la galinette, là, c'est quoi? C'est la chasse, là, c'est... Hein, c'est des amours. C'est des pies. C'est des pies, mais c'est la saison des... Ça claque. La pie, ça claque. Excusez-moi. Il vous a coupé. Donc, où ça en était? Je reprends. Ah oui, vous reprenez. C'est la télévision, c'est ça. C'est la télé, on coupera. Ah. Donc, il était con et chiant, vous étiez là. Donc, avec de gros moyens, que ce soit physique ou déjà techniquement, il était déjà en avance pour son âge.
Et on a passé vraiment de bons moments ensemble. Et Jean-Claude disait tout à l'heure, hors caméra, que déjà à l'époque, il avait un souhait, c'était de... Et c'était à cette période-là où vraiment, où il disait, qu'est-ce que tu veux faire, Jean ? Je veux être joueur de rugby. Voilà, donc le professionnalisme était naissant, quoi. Il n'y avait pas vraiment... Mais lui, il voulait en faire son métier, quoi, déjà. Et c'était vraiment... c'était marrant, quoi. Moi, j'ai eu la chance, vu la carrière qu'il fait maintenant, donc, de l'entraîner pour sa dernière année, je pense, à la Linde. C'est un plaisir d'entraîner le groupe quand il était là, parce que comment dire, il faisait rejaillir tout son sérieux sur les autres. Et voilà, donc moi, j'ai passé une super dernière année avec lui et ses copains. Bon, il y en a bien un qui va nous donner un défaut quand même. Si, Jean-Claude. Jean-Claude est très proche de la famille, hein, de la famille Montribault, un ami de la famille, donc il a bien connu les frères, le papa. Oui, moi j'ai surtout connu Jean en dehors du rugby pendant très longtemps. Et je voudrais souligner aussi ses qualités en dehors du rugby, et notamment à la chasse en particulier, où j'ai eu l'occasion plusieurs fois de chasser avec lui, bien sûr. Et il est aussi un excellent chasseur, et en particulier un excellent chasseur de bécasses. Bon, les gars, c'est bien gentil tout ça, mais bon, avec Romain, ça nous va pas, ce genre de conneries. Il est gentil, il a pensé le son et tout, ça va un peu, là. Il a bien, on veut deux, trois casseroles, là. Est-ce qu'il a vomi à une soirée? Voilà, la personne, là, c'est l'omerta complète. Il n'y a pas de dossier, là. Ça se file la patate chaude. C'est ce qu'on appelle, c'est l'omerta de la Dordogne, là, tu vois. Toi, tout de suite, hein. Attends, oui. Ah si, il y avait un début de dossier, là. Ouh, là, un dossier, non. Ah, la pêche. À la pêche, à la montagne, à mettre la pêche, des cordes dans les torrents, des choses comme ça, mais c'est du braconnage pur. Et... Ah, ça braconne, le Montribault, le Montribault braconne. Il braconnait, là maintenant, je ne sais pas, mais c'est vrai. Ah là, il braconne beaucoup, il braconne sur tous les terrains de top 14, il rapide 2-3 ballons, il distille 2-3 trucs, hein, c'est ça. Après, voilà, je ne sais pas. Alors, c'est un bon chasseur, mais à la pêche, qu'est-ce qu'on pêche dans le coin, déjà? Pas pêcheur. À part la galinette. Il pêche un peu tout. Hein. La truite, il y a quelques endroits à truite. Mais après, tout ce qu'ils peuvent attraper avec son frère, surtout son frère. Est-ce qu'il a pêché la sardine un peu là, dans le coin, la Dordogne. Ici, peut-être pas, mais il a bien dû pêcher quelques sardines, je pense. Quelques sardines, quelques radas, quelques sardinas, comme on dit chez nous. Merci, messieurs. Bon. Merci messieurs, si vous avez 2-3 casseroles, hein, vous nous textez casserole.com. R.I.P. to the girl you used to see. Her days are over. Baby, she's over. Bienvenue à Armandie, à Jeun. Nous sommes dans l'intimité des vestiaires en présence de quelques joueurs camarades de notre Oscar olympique. Jean Montribault. Et donc, quelques témoignages sur ce qu'est Jean au quotidien. C'est vrai qu'on parle beaucoup de lui ce soir, ses qualités de joueur, etc. Ses défauts. Là, il nous faut quelques dossiers, donc on allait à la source. Messieurs. Jean. Alors, bonjour. Ben, nous, les proches de Jean, on tient à éclaircir la situation, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, Jean Montribault se dit le sexe symbole de l'équipe, avec beaucoup de sexe à pile. C'est en fait un métrosexuel qui prend très soin de sa personne. Là, la petite tondeuse, ça c'est pour s'épiler, là, pour s'enlever ce petit poil sur le torse. Il prend grand soin de sa chevelure, parce que ses cheveux longs, sa crinière blonde est quand même, n'est autre qu'une cache pour cacher sa calvitie, quoi. Alors une petite essence de protéines, structure, voilà, un petit produit qui retarde la calvitie. Oui, qui se met en permanence sur ses cheveux avant de rentrer sur le terrain pour les matchs, les entraînements. C'est la technique de la mèche. Ah, la technique de la mèche. Laurent, là, la technique de la mèche à la Jean Montribault. Il fait normalement, il se met le produit comme ça, papapam, et puis là, il... comme ça, voilà, et là. Un petit coup à la glace qui est dans les WC là-bas. La glace, c'est avant de rentrer sur le terrain, quoi. Il se regarde avant de rentrer sur le terrain. On voit que c'est quelqu'un qui fait attention à son image, à son hygiène. Par contre, j'ai l'impression que c'est pas pour tout pareil. Ah oui, mais c'est qu'elles soient en parle d'eux-mêmes, quoi. Là, c'était ce matin. Elle est toute fraîche. Toute fraîche. Et ouais. C'est quelqu'un qui a énormément la pression avant les matchs, donc... Ben, des fois, il y a des accidents, quoi. Et tu me parlais qu'il avait des tocs quand il parlait... Oui, c'est tocs. Alors, dès qu'il prend la parole en groupe, c'est un petit coup de mèche, déjà. Un doigt, ça va bien. Deux doigts, c'est que vraiment, l'entraînement n'a pas été bien. Et dès qu'il met la main, c'est le bordel. Alors, dès qu'il met la main, gros souci dans l'équipe. Donc, il a plus la mèche.
Et la main, la mèche, c'est vraiment l'entraînement, c'est pas bien passé. Et c'est quelqu'un de très passionné, donc on connaît la pêche, la chasse, mais là aussi, je crois d'autres passions à part ses cheveux. Le tuning. Ouais, ça c'est. Enfin, il va nous en vouloir parce qu'il aime pas du tout en parler, mais c'est quand même le tuning. Ça, c'est les flammes sur les voitures, sur le volant un peu de moquette, une sono assez forte. Alors, c'est un nouveau tracteur tondeuse qui vient de s'acheter aussi. Il vient de s'acheter un nouveau tracteur tondeuse, 18 chevaux, une tonte parfaite, il m'a dit hier soir. C'est un John Deere ? Non, Husqvarna, tronçonneuse Husqvarna. Il est équipé, ouais. Il t'a pas dit qu'il voulait le tuner et mettre justement des flammes et il veut l'arranger un peu quand même. Changer le pot, enfin faire 2-3 trucs. Il a demandé au concessionnaire où c'est qu'il a acheté son tracteur d'y mettre un gyrophare. Il a des warnings pour quand il tourne dans le champ pour savoir où c'est qu'il va parce qu'il est une chienne. Et cette chienne, elle est un peu folle. Elle le suit un peu partout dans le champ. Donc quand il tourne, et il veut mettre le clignotant pour voir où c'est qu'il va. Alors explique-moi ce que tu vas faire. Donc ça, c'est l'exercice Jean-Marie Ribot. Il n'a aucun poids. Zéro poids. Zéro poids, oui. Et après, tu regardes bien le buste et tu fais que ça. Pendant des heures. Oui, pendant 2 heures. Il s'en fout sur le tableau, il ne fait pas la science comme nous, c'est que ça. Un peu ça. Ah, un autre exercice, vas-y. Ouais, c'est avec ses poids là. Hein. Avec ses poids là. Il ne se fait pas bien mal. Il fait bien, comme ça. Et après, voir qu'on est en avril, fin mai. Vers fin mai, il commence un petit peu plus avec ça. Fin mai, hein. Oui, fin mai, parce que bon, c'est les vacances de l'été. Bon, c'est un peu plus ça, mais bon. Il est entre le 3 exercices, c'est ça. On est plus en avril. Ouais. Et en mai. Ouais, en mai. Voilà. Mais bon, il faut bien regarder aussi. Voilà. Ça, c'est le genre moribond. On est tous les trois supporters d'Agen et on trouve que c'est un beau club cette année, qu'ils ont une bonne équipe. Et on espère qu'ils s'en sortiront, qu'ils resteront en top 14 encore longtemps. Et voilà. Non, c'est pas commencé, t'es con ou quoi? Pour ma part, je reste confiant et je pense qu'ils vont quand même rester, qu'ils vont se qualifier et qu'on reverra une belle équipe du SUA. Oh, mais si c'est bon, ils vont venir chercher pour dire que c'est fini là. Comme disait Michel Serre, Agen. Ah, j'ai plus commencé la phrase. Non, je refais. On est d'Agen par le. Ouais, non. Comme disait Michel Serre, Nagenais. N'apprend pas à jouer au rugby. Il sait jouer dès le berceau. Donc nous, on adore ça. Enfin, on le pratique pas, mais on le suit. Je le suis un petit peu de loin, mais bon, c'est sympa. Il y a une très bonne ambiance. Hein. Je reprends mon soufflet. Vous allez entendre maintenant une déclaration de la plus grande importance que va vous faire le général de Gaulle. Alors, nous parlons du Sporting. Du Sporting que je ne connais pas bien actuellement. Non, mais Agen, je pense que c'est un club qu'on aime. Je pense que tout le monde dans la France connaît ce club. Je peux vous parler surtout de celui de mon époque. Jean-Mon Ribot, très grosse saison. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, ça fait 5 ans qu'il est au top, quoi. Depuis la descente en Pro D2, il est là. Et j'espère qu'il restera toute sa carrière au Sporting, une petite carrière à la rive, ça ferait pas mal. Jean-Marie Ribot, c'était un bon joueur et voilà. Qu'il reste quoi, faut qu'il reste. Qu'il soit là quoi, tu vois, c'est un peu lui le papa quoi. Lui. Allez le SUA, on est avec le SUA toute l'année. Ouais, toute l'année, et vivement qu'il reste en top 14. Vive le rugby, moi j'aime le rugby et puis voilà. J'aime aussi le rugby, vive le rugby. J'aime le rugby, franchement c'est un sport qui est, qui est intéressant et j'espère qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont jouer. À ce moment-là, hein, nous avions une équipe qui était redoutable et redoutée. Donc voilà, bon mais Pédolf, t'as quelque chose à dire? Non. Et allez Agen! Allez Agen! Venez, allez! Bernard, bonjour, compagnon de chasse de Jean Moribot. Quelques mots sur Jean. C'est vous qui lui avez un peu appris tout ce qui s'est aujourd'hui?
On a la chasse, il connaissait, mais c'est la pêche. Donc la pêche, il ne connaissait pas trop, il n'était pas très habitué. Mais il adore la nature, donc il s'est quand même très vite adapté à ce plan d'eau. Voilà. D'accord, il a des qualités quand même en tant que pêcheur, en tant que chasseur ? Chasseur, oui. Il est très vif, très rapide. Il a un jeune chien, donc ça, c'est, il est adroit. Il est très adroit. Il adore la chasse. Par contre, la pêche, non. J'ai vu une partie de pêche avec un de ses collègues et très ami, Laurent Cabary, où vraiment, ils ont fini à l'hôpital, à la clinique Saint-Hilaire, avec un hameçon, un trident dans les doigts. Mais c'est Jean ! Jean, bienvenue ! Enfin, bonjour. Bienvenue chez toi un petit peu surtout, hein ? Un peu chez toi. Bonjour Olivier, tout va bien ? Ça va. Bon écoute, je te présente Romain. Romain qui aurait voulu être champion de pêche. Hein. C'est quelqu'un qui se dit avoir gagné les championnats du monde de Las Vegas l'an dernier, Toronto, Singapour, et en fait il comprend rien du tout. Donc comme on sait que c'est un peu ta passion, on s'est dit que tu pouvais lui apprendre tes quelques combines pour bien pêcher. Alors ici, tu verras, il s'est équipé, c'est grandiose. Hein, comme très tu bien. Peux le voir, c'est magnifique. Allez, prêt. T'es une c'est magnifique. Ouais. Ouais. Ça va aller, Romain ? T'as le track ? J'ai tendu, ouais, effectivement. Je n'ai pas l'habitude. Non, mais je suis pas sur mes terres, c'est pas mon eau, là, j'ai pris la température. Il dit qu'il pêche, mais j'avais dit qu'il a, ça m'étonnerait qu'il pêche vraiment. Je pense que je vais l'avoir. Allez, courage. Compte sur toi. Les points à brocher sont plus de l'autre côté. Ouais, mais là, je crois ici, que Romain a plus d'ambition là. Ça va être le cachalot, la baleine. Alors ça, par exemple, Jean, ça va aider Romain aujourd'hui ou pas ce... Ouais, ça, c'est un bon rapala là pour le brocher, mais là, si t'en chopes un, tu vas en prendre un de plus de 80 cm. Pendant qu'on prépare un peu, comment se passe cette saison avec le SUA? Ouais, non, ça s'est plutôt bien passé. Et puis après, un petit passage à vide, à Béret, voilà, quand il y a eu un petit peu cette annonce des entraîneurs et tout ça, on a eu pendant un mois et demi une période de flottement, quoi. Il y a une saison à finir avec eux, une bonne expérience et puis... Comme tu vois, Romain, comme j'ai une grosse tête, vas-y Romain, je pense que tu peux y aller, tu vas m'arracher la moitié du cuir chevelu. Romain a tout amené vraiment pour faire une bonne pêche. Première des choses, on m'a dit, ouais. Faut appâter. Il y a même des trucs qu'il faut... Ah, c'est quoi Romain exactement? Donc c'est... Bah, si tu veux, c'est du bœuf concassé. Hein, c'est ça. Alors... Ne peux pas le brocher, t'as carnassier. C'est important le geste Auguste comme ça, il y a vraiment une... Ah là, il a une belle amplitude et tout ça, il a le geste parfait on va dire. Il y a une discipline dans le geste, il y a... c'est important de goûter aussi, c'est vrai. Mais ça a bien, hein. C'est, ça a 2-3 jours dans la voiture, c'est pas mal. T'as raison de goûter. Alors c'est de la tripe, hein, c'est essentiellement du boyau. Là, ça devrait mordre, là. Genre, le brochet aime ce genre de... Ouais, ouais, il en est friand de ça. Je t'en donne un peu, Romain, pardon. Ah, oh, putain, mais je m'enfonce. Oh, ah bah, c'est la pêche, non, non. Donc là, maintenant, tu lèves, là, le... Ça ? Ouais, voilà, tu lèves. Et là, maintenant, donc, tu jettes ton leurre, et en même temps, tu lâches le fil. Vas-y. Bravo ! Voilà, très bien. Oh, c'est beau, hein. Ah, oui. Donc là, tu donnes des petits à-coups, tout en moulinant. Il y a la moitié de la canne qui avait le leurre. Ah, c'est du bon matériel. C'est Sport 2000, non? Ça, c'est bon. Ça, c'est du bon matériel. Sport 2000, du bon matériel. Du très bon matériel. Mais c'était pas adapté, espèce de gros connard. Vas-y dans l'eau, toi. Enfin, tiens-moi ça, toi. Ça ne sert à rien. Bon, oui, Jean, donc ce match de Toulon. Donc, ouais, ce match de Toulon va être très important. Mais voilà, pour nous, en tout cas, il y a... Tout le monde veut vraiment qu'il y ait vraiment une grosse fête à Armandie. Tout le monde travaille pour ce match. Nous, les joueurs, le staff, on est vraiment tous à 200% pour préparer ce match. Et,
et les dirigeants, tous ceux qui sont dans les bureaux, qui préparent le match aussi. Tu mets des tartines à tout le monde, hein, ceux du bureau, t'as parlé des bénévoles un petit peu ? Tout le monde, les bénévoles, ils font leur boulot. Donc, les bénévoles aussi, tout le monde, tourne, c'est donc, bon. Là, donc, t'as remercié tout le monde, ça c'est bien, mais c'est important de penser à tous ces gens qui travaillent au quotidien, autour des clubs, même des clubs professionnels. Et donc, après, congé. Après, Toulon passé, hop, en congé. Après, il nous reste, congé jusqu'à la... il nous reste après ce match de Bordeaux que, voilà, qu'on a envie d'aborder vraiment. Parle-en un peu de Bordeaux. Ouais, vraiment sereinement, quoi, un truc avec, vraiment d'appétit, vraiment l'histoire de. Ouais, voilà, on lâchera aucun match. Quoi. Ah, d'accord, ouais. Ok. Donc, bon, on va essayer. Donc, plutôt optimiste sur la fin de cette saison. Plutôt optimiste, pour oui. Pour le maintien, bien évidemment, et puis peut-être avec une bonne série, aller accrocher pour avoir une 6e ou une 7e place pour, oui, puis on, pour pouvoir jouer l'Europe. Je pense qu'on doit beaucoup au staff qui nous a pris il y a 4 ans et puis aussi à notre capitaine, Harry Baenhorst, qui a été vraiment... c'est lui qui a pris le drapeau il y a 4 ans et puis nous, on l'a suivi et donc il arrête en fin de saison sa carrière. Donc, le papy, comme on l'appelle, c'est faudrait... ça ? Vous l'appelez papy ? Non, c'est quoi ? C'était quoi, Romain ? C'était... Ça a mordu. Ah, est-ce que Jean pourrait nous faire un petit lancer ? Romain, s'il te plaît, tu peux apprendre ? Voilà, regarde. Tu vois un peu comment c'est ? J'ai failli me prendre dans l'œil. Voilà. Regarde. Ça fait plaisir. Donc tu dis qu'il faut aller plus loin là. Tu sais, est-ce que tu as une note à donner à ce nouveau pêcheur ? Est-ce que tu penses qu'il y a une... La tenue est bonne, est plutôt bonne. Je pense qu'il est un petit peu en surcharge parce qu'il s'enfonce très facilement dans la vase. Alors qu'il n'y a pas de vase. Alors qu'il n'y a pas de vase, voilà. Bon, écoute, Jean, super. On va pas t'embêter plus longtemps. Oh, t'es un enculé. Allez, ciao, merci. Ciao. Bah, je crois que la pêche a été bonne. Hein, je vous l'avais dit. Hein. Les lèvres a dépassé le mètre. Hein. Je veux dire, Jean, tu peux aller te rhabiller. Je veux dire, et puis c'est rare pour un lac, une sole, des sardines et puis un petit maquereau. C'est quand même... t'es bien équipé. Je veux dire, tout est dans l'équipement, dans le talent, dans le... L'appât. Hein, là, tout est dans l'appât, c'est vrai, c'est vrai. Ben voilà, c'est comme ça que s'achève ce petit périple en terre agenaise. J'espère que vous avez... Ça commence à poquer un peu. J'espère que vous avez bien profité. En tout cas, nous, c'était un peu salé, quoi. Voilà, merci. Bonne soirée, à tout à l'heure. Aïe!